Le groupe GECOS Formation de Yopougon a initié du 18 au 22 décembre dernier sa traditionnelle semaine culturelle. Cette troisième édition, dont l'apothéose s'est tenue le 22 décembre, a été marquée par des jeux, des concours de beauté culinaire et des scènes théâtrales. Une troisième édition qui a connu un grand succès, nous dit Koné Nanourgo. Tenues et ornements traditionnels, danse et plats du terroir. Bref, durant une semaine, tout s'est déroulé dans la pure tradition africaine ici à GECOS Formation de Yopougon. 33 ans déjà que le groupe GECOS Formation s'attelle à inculquer l'amour de la tradition africaine à ses étudiants. Et ce, à travers la semaine culturelle dont l'apothéose de l'édition 2023 s'est déroulée le vendredi 22 décembre à Yopougon. C'est vrai que pendant l'année académique, les étudiants s'habillent en costume et autres, bien, en tenue de travail. Mais il faut aussi regarder dans les rétroviseurs pour se remémorer, n'est-ce pas, nos cultures, afin que cela soit pérennisé. C'est à juste titre que nous faisons, n'est-ce pas, cette semaine-là pour nous remémorer et ensuite faire aussi la promotion de la culture. Le groupe GECOS Formation veut en quelque sorte avoir un pied dans la modernité et l'autre dans la tradition. Et cela semble marcher à merveille au regard du thème de cette 33e édition de la semaine culturelle portant sur la digitalisation. La semaine culturelle 2023 à GECOS Formation, c'était également l'occasion d'apprendre aux étudiants à travailler en équipe. Comme cas pratique, les étudiants se sont affrontés dans des concours de pitch sur les avantages de leurs filières respectives, des concours culinaires et de beauté. Occasion pour le représentant du parrain de les inviter au travail bien fait. Il faut dire que monsieur le parrain a bien voulu être à cette manifestation, mais pour des raisons professionnelles, n'a pas pu être là. Mais il m'a chargé de dire à la jeunesse d'être des bousseurs. Le groupe GECOS Formation est membre de HEC Abidjan, fondé par l'homme d'affaires ivoirien Koné Lama. Avec ses diplômes homologués par le CAMES, le groupe s'est internationalisé avec des écoles au Rwanda, au Congo et à Dubaï.